Bienvenue à tous dans la meet-up du Nouveau Ips. Et je vous présente, pour les présentations, je m'appelle Alain Cornagny. Donc, je souhaite que chacun se présente entre les co-hosts. Donc, j'appelle Monsieur Laurent de se présenter. Bonjour, du coup moi je m'appelle Laurent Meunier, je suis doctorant à Facebook et à l'Université Paris-Dauphine sur des thématiques d'adversarial attacks principalement. Et du coup je vais vous présenter aujourd'hui mon papier qu'on a fait avec des collègues de Facebook qui a été publié à NeurIPS sur les adversarial attacks sur les linéaires contextual bandits. Ok, merci Laurent. Et Claude, tu peux te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Claude, je suis un des co-organisateurs dans le Paris Machine Learning. Ok, bienvenue. Et Robert, tu peux te présenter? Alors, on ne va peut-être pas faire tout le monde parce qu'en fait, là, on est un peu pressé par le temps. Il y a quatre présentations. Je pense qu'on devrait déjà commencer par les organisateurs. Franck, tu te présentes? Bonjour, je m'appelle Franck Bardol, je suis le cofondateur du Paris Machine Learning et je représente aussi aujourd'hui le meet-up de Genève, Genève Bots Artificial Intelligence. Bonjour à tous. Donc voilà. Moi, je OK. m'appelle Igor Caron, je suis un des coordinateurs du Paris Machine Learning Meetup. On est super content d'avoir quatre présentations aujourd'hui. Je laisse la parole à Jacqueline, et après à Robert, et après on commence au premier speaker. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Faurien de machinelearning.fr et je représente Paris et le Centre Loire-Valème Machine Learning Meetup. Bonjour, je m'appelle Robert Maria de Strasbourg Deep Learning Meetup. Super. Alain, tu es Bonjour, présent? je m'appelle Alain. Et Bonjour, tu. je m'appelle Alain pour la communauté Cameroun. Voilà, exactement. Donc, notre premier speaker, ce sera Alessandro Capelli de Lighton. Alessandro, tu as 12 petites minutes. On essaie de faire en sorte que les quatre speakers qu'on a aujourd'hui puissent rentrer dans l'heure totale. Donc, ce sera 12 minutes de présentation plus les questions et réponses. Donc, merci à tous d'être venus, en particulier aux speakers. Merci à tous d'être venus en tant que spectateurs. Et on commence par toi, Alessandro. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran et vous m'écoutez. Je suis Alessandro Capelli, je suis un ingénieur machine learning chez Lighton. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui de mon travail qui s'appelle Ignorance is Bliss, l'ignorance est bonheur, Adversarial Robustness by Design through Analog Computing and Synaptic Asymmetry. Ça signifie qu'on cherche à exploiter la non-différenciabilité d'un coprocesseur optique pour rendre naturellement robuste, by design, un réseau neural entraîné avec un algorithme alternatif. Il est alternatif car les couches non différenciables ne peuvent pas être entraînées avec la BP, la bête-propagation. Donc, voici les programmes que nous allons suivre. Nous nous demanderons d'abord ce qu'est une attaque adversarielle. Et puis, comment la DFA et l'OPU peuvent contrer ces attaques. Et enfin, on parlera de notre travail futur. Et donc, les attaques adversarielles créent des inputs légèrement perturbés qui sont mal classés par les réseaux neuraux. Et ici, il pourrait y avoir une petite incompréhension parce que je dis les attaques créent des inputs légèrement perturbés, mais en fait, les inputs perturbés sont aussi appelés adversarial attack. Vous voyez, epsilon, c'est un valeur qui contrôle la puissance de l'attaque. La fragilité des modèles à ces attaques est un obstacle majeur au déploiement des modèles dans des scénarios réels. Donc, les attaques adversarielles sont un sujet important, pas seulement pour la recherche universitaire. Par exemple, en mars, McAfee a attaqué et trompé les systèmes des pilotes automatiques Tesla en faisant rouler la voiture beaucoup plus vite que les limites autorisées. On peut aussi évoquer un autre article très intéressant du New York Times qui, en collaboration avec l'Université de Michigan, qui montre combien il est simple d'être invisible face à des algorithmes de surveillance
en utilisant des vêtements particuliers, en fait, des vêtements basés sur des techniques pour créer des attaques adversariales. Et on a parlé des images. En fait, notre travail même se concentre sur des images. Toutefois, les techniques qui sont utilisées pour créer les attaques adversariales sont les mêmes dans tous les domaines de l'intelligence artificielle. Et par exemple, dans Natural Language Processing, Reinforcement Learning, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un type d'attaque particulier qui s'appelle White Box Attack. Dans une white box attack, les attaquants connaissent la distribution des données et l'architecture du modèle, ce qui inclut les paramètres du réseau. Ainsi, l'attaquant a pour but de maximiser la loss en créant une perturbation grâce à sa connaissance des gradients. Ici, j'ai mis des équations qui utilisent les gradients. En fait, c'est très simple à comprendre. On a Fast Gradient Descent Method Attack, c'est un type d'attaque qui utilise les gradients, et Projected Gradient Descent, qui aussi utilise les gradients. En fait, ils sont très simples à comprendre. En fait, Fast Gradient Descent Method Attack, il utilise les gradients par rapport à X pour modifier les pixels d'une image dans la direction qu'il va maximiser la loss. Et Projected Gradient Descent, il fait presque la même chose. Il va répéter les mêmes algorithmes plusieurs fois. Et je parlais des gradients. Quand je parlais des gradients, c'était implicite que ces gradients ont été obtenus avec la BP. En tout cas, si les gradients sont obtenus avec des algorithmes différents, par exemple la DFA, que vous avez écouté à propos de la DFA hier, il a été montré que les attaques sont beaucoup moins efficaces. Donc, des algorithmes alternatifs ne sont pas si efficaces comme la BP. De toute façon, l'attaquant a la liberté de choisir son algorithme favori dans White Box Attack, donc l'algorithme, ce n'est pas la solution. Et maintenant, après avoir répondu à la question « qu'est-ce qu'une attaque adversarielle ?», nous allons nous demander comment nous pouvons nous défendre contre les attaques. En façon de faire ça, c'est de montrer au réseau neural les attaques pendant l'entraînement. Et ça a trois problèmes. Le premier, c'est que les réseaux n'est pas capable de se défendre contre des attaques créées avec des nouvelles techniques. Le second problème, c'est qu'avec ces techniques, l'entraînement est beaucoup plus long. Et enfin, l'accroissement de la robustesse entraînée entraîne une diminution de la précision. Donc ça ne marche pas. Il y a une autre façon d'être robuste qui s'appelle obfuscated masking. C'est la fonction en cachant les gradients de différentes manières. Par exemple, en introduisant des couches non différenciables ou en introduisant l'hasard dans les processus d'entraînement. De toute façon, ces méthodes ne sont pas vraiment robustes parce qu'elles sont faciles à contourner. Par exemple, il est possible de contourner la technique Shattered Gradient et en approximant l'opération non différenciable. Par exemple, en fonction signe peut être remplacé pendant le backward pass avec une tangente hyperbolique. Et donc, en fait, c'est très important qu'on approxime la fonction pendant les backward passes, les passes arrière, et pas pendant les passes avant. Et donc, dans ce contexte, voici notre intuition. Il est facile d'approximer des fonctions simples, très simples, mais qu'en est-il des fonctions plus compliquées? Par exemple, en fonction paramétrisée qu'il utilise, par exemple, en processeur optique. Voilà l'OPU, Optical Processing Unit. Et l'OPU réalise un produit matriciel suivi d'une non-linéarité qui est non différenciable. Ceci pour deux raisons. La première, c'est que les poids du produit matriciel, c'est-à-dire R, sont inconnus. Donc, obfuscated parameters, pas obfuscated masking. Et la seconde, c'est que l'input et l'output d'OPU sont respectivement quantifiés en 1 et 8 bits. Grâce à ces propriétés, l'OPU est en couche non différenciable qui est impossible d'approximer. On peut exploiter ça pour créer une architecture robuste by design, naturellement. Et cependant, pour les raisons que j'ai expliquées, aucune architecture utilisant l'OPU ne peut être pas formée avec la BP. Avec la BP, c'est impossible d'entraîner une architecture qui utilise une couche non différenciable. On a besoin d'un autre algorithme qui n'utilise pas les poids du forward pass, pass avant, pendant les backward pass, les passes arrière. Cet algorithme, par exemple, est la DFA. La DFA est un algorithme un peu exotique
qui remplace les signaux de gradient provenant de la couche en amont avec une projection aléatoire du signal d'erreur global. Ça, c'est un peu compliqué, mais vous là un peu plus de DFA théorique hier, pendant la réunion d'hier. Et en fait, pour nous, c'est important de comprendre seulement que la DFA nous permet d'entraîner un architecture avec une couche non différenciable. Et voici une image pour mieux comprendre comment la DFA peut contourner la non-différenciabilité de l'OPU. Par exemple, on peut entraîner un architecture avec des couches non différenciables, des couches convolutionnelles et une couche non différenciable avec un algorithme hybride BP-DFA. Et voici notre mécanisme défensif que nous appelons obfusquer des paramètres, obfusquer des parameters. On a pris les couches convolutionnelles d'un CNN très célèbre qui s'appelle VGG16 et on a placé l'OPU dans la part linéaire. Donc, on a mis notre OPU dans un architecture très célèbre, c'est le VGG16. Et cette architecture avec l'OPU, on l'appelle VGG-OPU. Donc, ça, c'est notre mécanisme défensif. C'est un CNN qui a un OPU, une couche non différenciable qui n'est pas être attaquée avec la BP et pas entraînée avec la BP. Ça, c'est la raison pour laquelle on va entraîner cette architecture avec un algorithme hybride BP-DFA. Maintenant, la question la plus importante, qu'on quantifie la robustesse de cette architecture-là, de l'OPU, de la VGG-OPU. Et donc, on l'a comparé avec un VGG standard, ça veut dire sans l'OPU. Et donc, voilà les résultats. Je vous rappelle que Epsilon contrôle la force de l'attaque. Et contrôle la force de l'attaque. La ligne rouge représente un VGG standard, notre baseline, et la ligne orange représente un VGG OPU avec un OPU respectivement simulé et réel. Et enfin, la ligne verte représente un VGG OPU attaqué avec un backward pass differential approximation. Donc, c'est très clair que notre mécanisme défensif est très robuste contre les white box attaques. Et en fait, approximer notre mécanisme défensif avec la BPDA, ce n'est pas marche du tout. Et donc, conclusion, nous avons d'abord présenté une nouvelle technique de défense contre les white box attacks. Cette technique est basée sur une méthode d'entraînement alternative et sur un coprocesseur optique. Notre méthode ne crée pas d'écoute des computations supplémentaires pendant l'entraînement et ne diminue pas la précision. Ça, je vous rappelle les problèmes, par exemple, d'utiliser un robust training qui montre des attaques adversarielles pendant l'entraînement, qu'il va être plus long. Nous n'avons pas de problèmes comme ça parce qu'on est robust by design. Et en fait, même si notre défense est brisée, nous sommes toujours satisfaits. En fait, casser cette défense, on utilisait une attaque par optimisation lorsque la matrice des transmissions est de taille 5000 pour 100000 signifierait révolutionner tous les domaines de l'information optique. Donc, c'est un, comme on dit en anglais, un win-win situation. Et donc, future work, le travail futur, on va mesurer la robustesse de notre mécanisme défensif contre des transfer attacks, des black box attacks. Et en fait, on va attendre les résultats à des datasets plus compliqués. On a utilisé SafraD, on va utiliser des autres algorithmes. En fait, ça, c'est en publicité. En fait, ce travail a déjà été fait. Et notre nouveau travail va être bientôt disponible. Et les auteurs de ce nouveau travail sont les mêmes du workshop, mais en plus, il y a Laurent Meynier qui va parler aujourd'hui. C'est un des speakers d'aujourd'hui. Donc, merci à vous pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Alessandro. Est-ce qu'il y a des questions pour Alessandro? J'en ai pas vu dans le chat. Est-ce que quelqu'un a une question? N'hésitez pas à brancher votre caméra, vu qu'on a peu de temps, et poser votre question directement. Ouais. Non. Alors, moi, je ne peux pas poser de questions parce que, premièrement, je suis à Layton. Et deuxièmement, en fait, je pense que je connais trop le sujet pour pouvoir poser des questions qui soient vraiment éclairantes pour toute l'audience. Donc, je vais peut-être
m'arrêter là. OK, il n'y a pas de questions. Donc, merci beaucoup, Alessandro. On va passer au prochain speaker, qui est donc Thibaut Rayet de Criteo. Thibaut ? Oui. Tu as 12 minutes avec questions-réponses qui viennent après. C'est ton show, c'est à toi. Vous voyez bien mon écran, tout va bien ? Très bien, tout va bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de travail qu'on a réalisé et publié à Neurips avec Amélie Eliou, Mathieu Martin et Panayotis Mertikopoulos, qui sont des collègues au Criteo AI Lab. Panayotis étant également chercheur au CNRS. Ce travail concerne l'optimisation en ligne pour une séquence de loss sur lesquelles on n'a pas d'information, on n'a pas de garantie de convexité, donc on appelle ça de non-convex optimization. Et dans un cas où l'information que l'on reçoit de cette séquence de fonctions de perte est imparfaite. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails, dans des cas simples, pour essayer d'expliquer ce que j'entends par imperfect feedback, hein, cette histoire de retour imparfait. Donc, on va commencer par le cas le plus simple, qui est le cas où l'espace d'action est discret. Donc, on imagine qu'on a à chaque temps d'une séquence t égale 1, 2, etc., un vecteur de perte qui, pour chaque action, dont chaque composante correspond à la perte, qui correspond à une des actions. Et ce que le joueur fait, c'est qu'il choisit à chaque pas de temps une des actions, il observe la perte associée à cette action, alors la perte ou le gain en fonction de si on fait de la maximisation ou de la minimisation. Et ensuite, il se sert de cette information pour déduire la politique de choix de l'action suivante. Donc, le cas le plus simple, c'est le cas qu'on appelle le perfect feedback, le retour parfait, où le joueur observe non seulement la perte ou le gain lié à l'action qu'il a tirée, mais également le vecteur complet de perte ou de gain de l'ensemble des autres actions. Le cas schématique, c'est le cas du multi-arm bandit. Donc, on imagine qu'on est dans un casino et on a plein de machines à sous devant nous et on choisit à chaque pas de temps quel levier on tire. On ne peut en tirer qu'un seul. Par contre, on observe l'information totale après avoir tiré notre levier de qu'est-ce qu'on aurait gagné sur les autres machines si on avait tiré les autres leviers. Et là, l'idée, c'est que quand on observe l'information totale, on peut avoir des garanties de regret qui sont très, très bonnes grâce à l'algorithme qu'on appelle Edge et qui consiste à maintenir à jour un vecteur YT qui correspond à la somme des gains ou à la somme des pertes de chaque bras et de tirer à chaque pas de temps aléatoirement selon une probabilité qui est proportionnelle à l'exponentielle de état TYT, où état T est un taux d'apprentissage qui sert à régler à quel point on régularise ou pas le choix de l'action. Sachant qu'en fait, quand état T tend vers plus l'infini, on va tendre vers un tirage complètement uniforme, alors que quand état T va être très proche de zéro, on va au contraire avoir un tirage qui sera quasiment, avec probabilité 1, le bras qui a généré le meilleur gain jusqu'ici. Et donc, le regret, c'est à quel point c'est l'écart qu'il y a avec la meilleure stratégie fixe, c'est-à-dire si j'avais un oracle et que je savais exactement quels allaient être les loss dans la séquence de temps, j'aurais pu choisir le meilleur bras dès le début et ne tirer que ce bras-là. Et le regret, les garanties qu'on essaie d'obtenir, c'est d'avoir des regrets sous-linéaires. Et dans ce cas-là, avec l'algorithme Edge, on a un regret qui est en racine de grand T, donc c'est excellent, en fait, c'est optimal pour les bandits. C'est-à-dire qu'on a un regret qui est très sous-linéaire, on est capable d'être dans un cas de no-regret comme ça. Mais donc, on l'a vu, c'est un cas qui est doublement simple dans le sens où c'est à la fois un cas discret et en plus, on a une information qui est parfaite. On a un feedback parfait sur les pertes qui sont générées par les machines à sous. Le cas qui est un peu plus réaliste, qui correspond à ce qu'on appelle le setting bandit, c'est la même situation, sauf que à chaque fois que l'on tire un bras, on observe uniquement la perte ou le gain lié au bras que l'on a tiré et pas les autres. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait, il y a un algorithme qui est une adaptation de Edge au cas où on a un feedback bandit qui tout simplement consiste à créer une sorte de modèle. On the fly, on crée un modèle pour le vecteur de loss qu'on n'observe pas complètement. On observe ce vecteur de loss que sur une seule composante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un vecteur de loss qui vaut zéro partout sur toutes les composantes que l'on n'a pas, sur tous les bras qu'on n'a pas tirés et qui va valoir la perte observée divisée par la probabilité d'avoir tiré ce bras-là pour le bras que l'on a tiré. En fait, donc c'est le terme qui est en bleu ici, hein, dans la première ligne de l'algorithme. Et l'avantage de ce terme-là, c'est qu'en fait, c'est un modèle du feedback qui est non biaisé. C'est-à-dire que l'espérance sur les actions que l'on peut tirer ou tenter de ce truc-là, ça va bien faire le vecteur LT exactement. Donc, c'est-à-dire que contrairement à avant où on soustrayait le vecteur LT, là, on soustrait un estimateur de ce vecteur-là qui est non biaisé, c'est un modèle non biaisé.
Et on arrive aussi à montrer, en bricolant un petit peu, ce n'est pas si simple, mais on arrive quand même à montrer dans le cas discret assez facilement qu'on a aussi un regret en racine de grand T dans ce cas-là. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le feedback de type bandit imparfait dans le cas discret nous permettait aussi d'avoir un regret en racine de grand T. Alors maintenant, on va s'intéresser au cas continu, qui est en fait la motivation initiale pour notre travail. Imaginons qu'on est dans un cas où l'ensemble d'actions est en fait contenu dans un compact K qui est inclus dans R puissance D, où D est la dimension de l'espace ambiant, la dimension du problème. Et donc, c'est exactement pareil qu'avant. À chaque pas de temps, on choisit une action XT dans cet espace d'action continue. On observe la loss LT de XT, qui est donc cette fois une fonction et plus un vecteur. Et on choisit de cette façon-là la politique pour le choix de l'action suivante. Lorsqu'on observe la fonction totale, donc c'est l'équivalent de edge qu'on a vu tout à l'heure, où on observe le vecteur total, mais cette fois on observe la fonction totale à chaque pas de temps, on a un algorithme analogue dans le cas continu qui marche, qui a été proposé par Christian et Hall en 2015, qui est le edge dans le cas continu, edge in a continuum. Et dans ce cas-là, en fait, on fait exactement la même chose. On met à jour le vecteur YT avec la fonction de loss qu'on a observée à chaque pas de temps. Et on tire les actions selon une distribution qui est proportionnelle à l'exponentielle de état t et yt. Et de la même façon, en choisissant bien état t, on est capable d'avoir un regret en racine de grand t. C'est un résultat qui est très fort. En fait, il y a beaucoup de subtilités qui sont liées au fait que là, on est dans un espace qui est continu. Et ce résultat nous montre qu'on est capable de généraliser les garanties qu'on a sur edge dans le cas discret au cas continu. Et voilà là où le travail rentre en compte, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose si on n'observe pas toute la fonction de perte. C'est-à-dire, là, on est dans un cas, la question, c'est est-ce que dans un cas d'un feedback bandit, c'est-à-dire dans le cas où on est dans un espace d'action continue et où on observe à chaque pas de temps uniquement la perte liée à l'action que l'on a tirée, est-ce qu'on est capable de garantir ce regret sous linéaire également? Donc, c'est la question ouverte qui a été posée par Christian dans son papier où il présente le edge continu. Et c'est une question à laquelle on répond par l'affirmative. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On a envie d'utiliser X3. X3, on a vu avant, c'est la généralisation de Edge au cas du feedback bandit dans le cas discret, où on avait cette idée d'importance weighting, de inverse propensity weighting. Et donc, on a envie de faire la même chose dans le cas continu, sauf que c'est plus compliqué dans le cas continu parce qu'on aurait des Dirac si on avait une fonction qui valait 0 partout et qui valait juste quelque chose à l'endroit où l'action a été tirée. On parle de densité, on aurait des problèmes, on aurait des trucs qui ne sont pas absolument continus et qui génèrent des Dirac. Donc pour rendre ça plus smooth, on utilise une kernelisation de cette idée. On remplace l'indicateur en fait, qu'on avait dans le cas discret par un kernel qui a une certaine largeur. Et c'est ça l'idée principale, c'est qu'on va utiliser des kernels pour adapter l'algorithme X3 au cas continu. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ajoute un terme d'exploration forcée pour avoir la possibilité de borner par le bas la probabilité PT. Parce que la probabilité PT, si elle est trop proche de 0, potentiellement, on n'arrive pas à régler, on n'arrive pas à borner les termes d'ordre 2, la variance du modèle LT. Et donc, l'idée, c'est qu'on va avoir la même chose que X3, sauf que cette fois, la différence principale, c'est que notre estimateur est biaisé. C'est-à-dire qu'avant, on avait bien cette idée de l'inverse propensity weighting, qui générait un estimateur non biaisé dans le cas discret et qui nous permettait d'avoir un racine de grand T, c'était parfait. Sauf que dans ce cas, cet estimateur, il est biaisé. Le kernel, ça nous permet d'avoir une estimation qui est smooth, mais par contre, notre estimateur est biaisé, et ce biais, il intervient directement dans le calcul de regret, et il fait qu'on ne peut plus avoir un grand taux de racine de grand T en de regret. On arrive à montrer qu'en fait, malgré ce biais, en choisissant habilement, on va dire de façon subtile, le delta t et le epsilon t de la ligne 3 qui correspond à l'exploration forcée, on arrive à obtenir un regret qui est en grand taux de grand t puissance d plus 2 sur d plus 3. Donc, c'est beaucoup moins bien que racine de grand t. Dans le cas de dimension 1, c'est du t puissance 3 quarts. Donc, c'est sous-linéaire, c'est un E-gat, mais c'est moins bien que racine de grand t. Et en fait, notre conjecture, c'est qu'on ne peut pas faire racine de grand T dans ce cas-là. On ne peut pas le faire dans le cas du bandit continu. Par contre, on pourrait faire T puissance D plus 1 sur D plus 2. C'est notre conjecture, c'est sur ça qu'on travaille actuellement dans la suite de ce travail-là. Voilà, et donc pour résumer les contributions que l'on a dans ce papier, en fait, là, on a parlé du cas du feedback bandit, qui est en fait une instance particulière du feedback imparfait. Mais l'angle d'attaque que l'on a choisi, c'est d'étudier de façon générique les modèles de feedback imparfaits, c'est-à-dire qui sont à la fois biaisés et qui ont à la fois une variance. Et dans ces cas-là, d'avoir des bornes génériques de regret qui dépendent du biais et de la variance de l'estimateur. Et en fait,
cette borne générique, ce qu'on appelle la template bound, elle peut être adaptée au cas spécifique où on est dans un feedback de bandit et où on construit le modèle de la ligne 6 ici, qui a donc un biais spécifique qui dépend de delta t et une variance qui va aussi dépendre de delta t et de epsilon t. Et donc, dans ce cas-là, on arrive à cette borne de t d plus 2 sur d plus 3. Mais notre résultat est un peu plus général que ça. Et au final, en fait, voilà le tableau qui résume l'ensemble des contributions et l'ensemble des bandes qu'on a montrées. Donc, tout en haut à gauche, c'est les regrets statiques et on parle de ce qu'avait montré Krishen. Et donc, c'est le fameux racine de t. Et nous, on a montré que dans le cas non biaisé, on avait encore racine de t et que dans le cas bandit, on avait notre d plus 2 sur d plus 3. Et je finirai par dire qu'on a aussi montré des bandes de regrets dynamiques qui sont des contributions nouvelles à notre connaissance qui n'existaient pas dans le monde des bandits continus. Voilà, si vous voulez en savoir plus, on a un autre papier qui détaille tout ça très bien et qui a l'approche plus générique, comme je vous l'ai expliqué, avec le cas bandit comme instance principale. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Merci Thibault. S'il y a des questions, vous prenez le micro directement. Voilà, prenez le micro, c'est plus simple. On n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez écrire dans le chat. A priori, moi, je ne vois rien sur le chat pour l'instant. Il n'y a rien. Le chat est vide. Et j'ai une question. Est-ce que le projet a été lancé pour évaluer le PED ou bien l'efficacité du... en fait, la recherche, elle a été faite pour le PED, pour évaluer le PED, nombre de PED ou bien l'efficacité du système? Je ne suis pas sûr de comprendre la différence entre les deux. L'efficacité du... on mesure l'efficacité de l'algorithme par... Oui, l'efficacité de l'algorithme. C'est-à-dire que notre but, la fonction qu'on cherche à optimiser, c'est le regret uniquement. Donc c'est cette forme-là d'efficacité que nous, on mesure. On veut avoir les meilleures garanties de regret possibles. OK. L'efficacité en termes de complexité de l'algorithme, effectivement, il y a plein de détails dont je n'ai pas parlé, notamment en termes d'échantillonnage, qui ne sont pas rentrés en compte dans le design de l'algo. OK. Ouais, là, c'est un regret par rapport à l'oracle, en fait, si j'ai... Tout à fait. Les étudiants sont assez vivaces. C'est le regret par rapport à l'oracle parmi les actions fixes. C'est-à-dire que c'est ça la différence entre le regret statique et le regret dynamique. Le regret statique se compare à la meilleure action fixe, qui est la même action au cours de la séquence, alors que le regret dynamique se compare à la meilleure suite d'actions. Donc là, le challenge est beaucoup plus grand dans le cas du regret dynamique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des dépendances en VT qui mesurent d'une certaine façon la façon dont la séquence de perte a le droit d'évoluer. Puisque si la séquence de perte a le droit d'évoluer sans aucune contrainte, on ne peut pas avoir de bande de regret dynamique, tout simplement, dans le cas adversaire. OK. Oui, vas-y, Laurent. Moi, la question que je me posais, c'était juste une question plus genre. Vous avez supposé quoi sur la régularité de la fonction objective, du coup? Ah oui, c'était une très très bonne question. Alors, on la suppose Lipschitz. En fait, on s'est vraiment mis dans le setting de Krishen, dans son papier sur Edge. Donc, on la suppose. Okay. Évidemment, c'est ultra nécessaire en fait pour que le biais puisse être proportionnel à la largeur du carnet. Non, je réfléchissais parce que je me dis peut-être adapter mes... si tu veux, genre c'est peut-être hors du scope de ce truc, mais si tu supposes par exemple que ta fonction objective vit dans un RKHS et que LT tu remplaces K delta, en gros, bon, K delta grossièrement c'est le min embedding d'un RKHS si tu veux, pour un delta fixé, et du coup je sais pas ce que ça donnerait dans ce cas-là si justement tu supposes que tes fonctions objectives vivent dans un RKHS à la fin, quoi. En fait. Là, c'est une excellente question. Du coup, je vois bien la généralisation. Effectivement, tu as un produit scalaire dans ce cas-là. Enfin, t'as un produit bilinaire. Et je ne sais pas si tu pourrais borner de la même façon le biais qui est induit par cet estimateur-là. Dans le cas d'un. Alors, je sais pas du tout, mais peut-être qu'en faisant des hypothèses supplémentaires sur soit ton noyau, soit je ne sais pas quel type de truc, tu pourrais. Je ne sais pas si tu peux y arriver, mais possiblement. Non, mais c'est une très bonne remarque, ce qu'on n'avait pas eu jusqu'ici. Donc, effectivement, c'est peut-être généralisable à ça. OK. Non, et surtout, je peux potentiellement obtenir des meilleurs regrets dans le cas où ton objectif serait dans un RKHS. Potentiellement, tu serais moins dépendant de la dimension au niveau du regret, peut-être. Mais ça, je ne sais pas trop. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bah, ça tombe bien, Laurent, que tu parles. Donc, merci beaucoup, Thibault. On va donc aller à Laurent Meunier, qui était celui qui posait la question il y a 5 secondes. Laurent, c'est à toi. Tu as 15 minutes. Il est 13h30, donc on tient bien le temps en ce moment. Merci aux deux premiers speakers vraiment d'avoir fait l'effort de tout faire rentrer dans les 15 minutes avec les questions et réponses. Laurent, c'est à toi. Donc, vous voyez bien les slides, c'est bon ? Très bien. Ok, parfait. Attendez, je vais juste tourner ma caméra. Je vais juste mettre ma caméra en on, comme ça, ce sera pas mal pour parler. Donc, du coup, je vais vous présenter un travail qu'on a fait avec des collègues à Facebook sur les bandits. Donc, c'est bien dans la continuité du talk précédent. L'objectif, c'était d'essayer de construire des attaques sur les ce qu'on appelle les linéaires contextual bandits. On va essayer de faire quelques rappels sur les contextual bandits. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe en général ? C'est typiquement, quand vous allez sur Internet, etc., vous avez un vecteur de features qui vous décrit, par exemple, votre âge, votre historique Internet, etc. Et vous avez plein de bras possibles pour vous suggérer une publicité. Par exemple, est-ce que je vais vous suggérer une publicité de livre, une publicité de moto ou une publicité pour partir en voyage, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bras. Et du coup, moi, quand je vais tirer une action et du coup, je vais observer un reward, c'est-à-dire potentiellement, est-ce que j'ai cliqué dessus, qu'est-ce que j'ai fait, quelle action j'ai fait vis-à-vis de ce, quelle action, je vais cliquer dessus ou non, et du coup, je vais observer un reward, et le reward, c'est combien j'ai gagné vis-à-vis finalement de l'action que j'ai prise. Bon, le reward n'est pas nécessairement connu, mais on va se placer dans un cas où le reward est parfaitement connu et qu'on observe les rewards à chaque instant. Donc du coup, en fin de compte, ce qu'on fait en général, c'est qu'on update un modèle de manière online en rajoutant à chaque fois les observations RT vis-à-vis des bras donnés. Donc en gros, on obtient un objectif d'optimisation online où on souhaite minimiser ce qu'on appelle du coup le regret et voilà. Ok, donc qu'est-ce qui se passe en gros dans le setting adversarial attacks on contextual bandits. Donc en fait, on veut attaquer ces bandits contextuels, c'est-à-dire qu'on veut qu'un agent il compromette le processus de sélection des bras. Donc c'est-à-dire que nous, en gros, usuellement, on a des regrets sous linéaires. Et on voudrait du coup avoir un regret linéaire potentiellement en changeant un petit peu à un endroit ce qui se passe. Donc en fin de compte, en termes d'application, on pourrait se dire on voudrait favoriser des produits au lieu d'autres parce que genre, ça va faire gagner plus un advertiser de faire ça, et le recommandeur il peut vouloir ruiner ses compétiteurs en dégradant la qualité de leur service. Donc ça, il y a eu des approches qui ont été discutées avant, mais nous on a décidé de le faire du coup sur les bandits contextuels, car c'est en général ce qui est plutôt utilisé en pratique. Donc en gros, la question c'est où est-ce qu'on peut intervenir, comment on fait pour tromper le réseau et à quel coût le réseau, le processus de bandit. Donc en gros, il y a plusieurs possibilités. C'est soit ici je modifie l'attaque sur le contexte, c'est-à-dire que moi je vais brouiller le contexte d'un utilisateur subtilement, ou soit je vais brouiller subtilement le reward de l'adversaire, le reward donné. Donc c'est-à-dire qu'à la fin j'observerai les observations que moi j'observerai en tant que learner seront du coup faussées. Donc pour ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de construire un algorithme. On a essayé de construire un algorithme qui trompait le réseau en lui-même. Donc on peut utiliser en gros deux types d'algorithmes. Un algorithme qui va attaquer, du coup, comme on l'a dit, uniquement les rewards. Donc attaquer uniquement les rewards, c'est assez simple. En gros, c'est comme si on se replaçait dans un monde avec des nouveaux bandits, avec des rewards shiftés, etc., et où l'algorithme apprend lui-même. Donc en gros, on se rend compte que le regret est linéaire, mais que le coût total de l'attaque est sous-linéaire. L'avantage de cet algorithme est valable, c'est qu'il est valable contre n'importe quel
algorithme de bandit, cet algorithme, cette attaque est valable contre n'importe quel type de bandit, d'algorithme de bandit. Dans le cas général, l'INUCB, dans le cas général où on veut attaquer uniquement les contextes, c'est-à-dire attaquer en amont, changer le contexte de l'utilisateur, alors là, notre algorithme il ne marche uniquement sur l'INUCB en théorie. Et en pratique, par exemple, les stratégies de type Thompson sampling sont moins robustes, sont plus robustes, je veux dire, vis-à-vis de ce type d'attaque. Mais le regret est toujours de l'ordre de T dans ce cas-là, et le tout coût total de l'attaque de l'ordre de petit o de T. Donc, c'est-à-dire toujours coût d'attaque sous linéaire et attaque et le regret final qui va être linéaire. Donc finalement, en gros, on va se retrouver avec le contexte. Et le dernier cas, c'est le cas de figure où on veut attaquer un single user. C'est-à-dire, en fin de compte, nous, on a étudié le cas de figure où finalement, j'ai un user qui arrive et je vais essayer de tromper son réseau, tromper son bras et essayer de voir la faisabilité de cette attaque-là, sans pour autant étudier le regret. Donc, en fin de compte, sous certaines contraintes, etc., les attaques sont faisables sur un single user et les attaques fonctionnent, peu importe, là, sur linear UCB ou Thompson sampling, car on s'intéresse pas au regret. Donc, en fin de compte, vous voulez juste faire changer la décision pour un single user. Voilà. Et donc, vous pouvez trouver les détails de notre article à la fois sur NeurIPS, le site de NeurIPS, et sur Archive. Et donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement maintenant. Merci. Merci encore, Laurent. Est-ce qu'il y a des questions pour Laurent ? A priori, on n'a pas sur le chat. Non, le chat est vide. Ouais, je pense que en fait, c'est assez rare de ne pas avoir de questions. Depuis toute la semaine, on a réussi à avoir beaucoup de questions pour. Beaucoup de questions, sauf aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, c'est vendredi, il neige. Non, ouais, alors, il neige de ton côté de. mais ce qui est sûr, c'est que NeurIPS prend beaucoup de temps à beaucoup de gens. Et je pense qu'on arrive en fin de semaine, c'est un peu. C'est un peu compliqué, quoi, en fait. Donc, c'est peut-être une question, si tu veux. Vas-y, Claude. Je peux poser plus la question de la finalité. Bon, là, ce qui est expliqué, c'est que ça pourrait servir à éviter que des concurrents fassent apprendre des règles, enfin des comportements d'utilisateurs un peu bizarres pour nuire à un concurrent. Et est-ce que c'est uniquement ça la finalité ou il y a aussi une finalité qui est d'améliorer sur le fond le modèle pour le rendre meilleur ? La finalité, déjà, nous, c'était d'observer, de voir si en gros on pouvait, avec des perturbations infinitésimales et quasi indétectables sur un algorithme, être capable de complètement le tromper vis-à-vis de donc l'algorithme en lui-même est trompable. Ensuite, c'est une bonne question de savoir finalement est-ce qu'on peut rendre l'algo plus robuste. Donc on a vu que sur n'importe quel algo de bandit, si on attaque les rewards directement, on peut avoir un regret sous linéaire et avoir un coût total d'attaque sous linéaire, mais un regret complètement linéaire. Donc ça, c'est un peu embêtant quand même de savoir que n'importe quel algo de bandit est attaquable dans ce cas-là. Ensuite, le vrai cas de figure, c'est plutôt, on pense que le vrai cas de figure, c'est plutôt le cas de figure où on peut attaquer les contextes directement, c'est-à-dire changer les contextes de l'utilisateur pour proposer n'importe quoi et du coup faire ruiner complètement une stratégie publicitaire potentiellement. Ça, c'est un cas de figure moins réalisable en pratique. En général, pour l'instant, on n'a pas. Il y a un article qui a été publié récemment sur Archive qui propose une méthode pour contourner ce genre de problème. En tout cas, sur les rewards, n'importe quel algo de bandit sera trompé, peut être trompé si on modifie un petit peu les rewards quoi qu'il arrive à la fin, quoi, en fait. Ok. On a le micro unique, Igor. Ça a répondu à ta question, Claude ? Oui, merci. J'avais mon micro en mute aussi.
Ok, merci. Laurent. Là encore, on a tenu le. Alors, la recherche couvre-t-elle les attaques de phishing? C'est ce qu'Alain pose comme question. Alors, qu'est-ce que c'est les attaques de shifting? De phishing. De phishing. Qu'est-ce que vous entendez par attaque de phishing? Les sites bancaires, ils sont attaqués, je crois, avec des. Enfin, il y a peut-être des gens qui sont spécialistes dans l'Assemblée qui pourraient l'expliquer mieux que moi. Oui, je ne sais pas si. Pour expliquer, phishing, c'est pour envoyer peut-être un faux link à un utilisateur. Et à ce moment-là, cet utilisateur peut cliquer sur ce lien et ça donne toutes les données du système qu'elle est en train de s'enregistrer. Donc, comment est-ce que vous avez géré ça ou bien ça n'a pas couvert ce domaine? Non, je pense que c'est un peu décorrélé du problème de phishing parce que nous, c'est vraiment un problème où finalement, on a un publicitaire, un annonceur publicitaire sur le net qui, justement, peut avoir son regret, finalement, qui est linéaire à peu de coups près. Mais ça, finalement, le phishing ne rentre pas vraiment en compte dans notre étude directement, quoi. OK. 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 Donc, merci beaucoup, Laurent. Donc, on a tenu encore les 15 minutes, là encore. Le dernier speaker sera donc Philippe Weinzempfel. Tu me corriges pour la prononciation, Philippe. Laurent, tu peux peut-être enlever ton écran. Ouais. J'enlève mon écran. Alors, attendez. Hop, voilà. J'enlève mon micro aussi. Et Philippe, c'est à toi. Tu as un petit quart d'heure devant toi. OK, top. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis un chercheur en vision par ordinateur à Never Labs Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est situé pas loin de Grenoble et Naver, en fait, c'est un géant sud-coréen de l'Internet. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter deux travaux qui ont été présentés cette semaine à NeurIPS. Le premier est sur l'apprentissage auto-supervisé et le second sur l'apprentissage par curriculum. Donc, on va commencer évidemment par le premier, qui est donc sur l'apprentissage auto-supervisé, qui s'appelle le mélange de négatifs difficiles pour l'apprentissage contrastif. Qui a été fait avec mes collègues Yanis, Bulent, Noé et Diane du Coinever. Donc, une des raisons du grand succès de l'apprentissage profond en vision par ordinateur est le fait que en fait, les trois représentations visuelles qui sont apprises par les réseaux de neurones se transfèrent excellemment bien. C'est-à-dire que si la tâche finale qu'on veut exécuter, c'est classifier des images, détecter des objets, extraire une segmentation ou rechercher des images, en fait, en apprenant tout d'abord un modèle sur un grand dataset de classification d'images comme ImageNet qui a 1 million d'images et 1000 classes à peu près, on peut facilement apprendre en initialisant le modèle pour la tâche finale qu'on veut faire. Si on initialise le modèle avec justement ce modèle appris sur ImageNet, ça marche très bien sans forcément avoir énormément de données pour la tâche finale. Donc, c'est quelque chose qui est très pratique. Toutefois, pour annoter ImageNet justement avec ces 1000 classes, on se retrouve à devoir annoter des centaines d'espèces d'oiseaux, de champignons, etc. Et donc, il va y avoir besoin d'avoir un expert dans le domaine pour donner ces annotations. Et elles vont coûter extraordinairement cher, surtout si on veut passer après à des dizaines ou des centaines de millions d'images. Donc, en plus, les gens regardent si on ne peut pas apprendre une représentation visuelle en ayant un minimum de coûts d'annotation. Et idéalement, on aimerait quelque chose d'auto-supervisé, c'est-à-dire qu'on aurait tout un ensemble d'images, mais sans aucune annotation sur ce qu'elles contiennent. Et voilà. Et donc, l'idée, dans ce cas-là, ça va être en fait de créer une espèce de tâche prétexte qui va permettre de comprendre ce qui contient les images. Donc, un exemple qui marche très bien, qui est vraiment en cours là, cette année, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage contrastif. L'idée générale, c'est la suivante, c'est on va avoir une image, par exemple ce petit chat qui joue avec une balle, et on va appliquer deux transformations aléatoires à ces images. Donc, les transformations, ça va être des petites rotations, des changements de couleur, éventuellement on va retourner la gauche et la droite, etc. On va passer ces deux images dans notre réseau de neurones, on va obtenir deux représentations visuelles, une pour chacune de ces images, et on va la comparer à la représentation visuelle de n'importe quelle autre image. Et ce qu'on va vouloir, c'est que les deux représentations d'en haut, donc Q et K, soient le plus proches possible, donc soient le plus similaires possible, et en particulier beaucoup plus loin que les représentations de n'importe quelle autre image.
Et quand je dis n'importe quelle autre image, on va généralement considérer un grand nombre d'images. Donc, on va voir ici que Q et K soient très proches et très éloignés de tous les autres points N qui correspondent à toutes les autres images. Donc, en quelque sorte, la tâche pré-test qu'on fait, c'est qu'on fait de la discrimination d'instances. Donc, on veut que notre représentation d'image soit en quelque sorte invariante à toutes ces transformations et donne une représentation qui est différente de la représentation de n'importe quelle autre image. Donc, c'est ça l'apprentissage contrastif. Et donc, c'est complètement auto-supervisé parce qu'on n'a besoin d'aucune annotation sur les images en entrée. Et une observation qui a été faite déjà dans des travaux précédents, c'est que rendre cette tâche la plus difficile possible donne une représentation visuelle qui va mieux généraliser après qu'on va vouloir l'appliquer à des tâches réelles de la vie courante. Donc, comment on peut rendre la tâche plus dure? Une façon, c'est de créer des paires positives donc, qui sont plus difficiles. Comment on fait ça? On va faire des transformations qui sont vraiment, on va dire, très violentes, dans le sens où on va appliquer des transformations où on va changer significativement la couleur ou, par exemple, l'angle de vue de l'image en appliquant une transformation affine ou homographique. Une autre solution, c'est de créer des paires négatives qui sont très difficiles. Et donc, en général, ce que les gens précédents ont fait, c'est qu'ils ont considéré un énorme nombre de négatifs. Et dans ce cas, on peut espérer qu'il y ait quelques négatifs qui soient difficiles parmi ceux-là. Donc, c'est le cas, par exemple, des deux papiers qui sont cités en bas, Moko et Cynthiella. Sauf que pour avoir du coup beaucoup de négatifs, vous avez soit besoin d'avoir accès à des centaines de GPU en même temps pour pouvoir calculer tous ces features en même temps, soit il va falloir gérer en quelque sorte une banque de négatifs en même temps qu'on fait résoudre. Dans tous les cas, c'est assez contraignant. Nous, ce qu'on propose en fait ici, c'est de synthétiser des nouveaux négatifs difficiles en mélangeant la représentation visuelle de deux négatifs. Donc, typiquement, là, on va obtenir un point HK qui sera juste une combinaison convexe entre deux points négatifs qu'on avait déjà dans notre badge. Ou alors, on peut éventuellement faire encore pire, entre guillemets, en mélangeant un positif avec un négatif, tout en ayant un poids qui force quand même le nouveau feature synthétique à être plus du côté des négatifs. Donc, c'est ça l'idée générale de ce premier travail. Donc on l'a appelé mochi, donc un délicieux dessert japonais pour ceux qui ne connaissent pas, qui correspond à mixing of contrastive and negatives. Donc je ne vais pas détailler tous les résultats expérimentaux ici, ils sont dans le papier, mais en gros, pour résumer, ce qu'on a observé, c'est que mochi, ça rend bien la tâche plus difficile, la tâche prétexte. Ça permet de très bien utiliser en fait tout l'espace disponible pour les représentations visuelles, ce qui permet ensuite de mieux généraliser à différentes tâches. Et comparé à la version où on n'applique pas justement ce mélange de négatifs difficiles, ça permet d'entraîner plus vite et d'avoir moins besoin d'époque sur la tâche prétexte avant d'obtenir une belle performance après. Donc pour donner juste un petit exemple, ici, on va s'intéresser par exemple au problème de la détection d'objets dans des images. Donc, c'est la target task qui est mentionnée en bas à droite. Donc, le but, c'est en ayant une image en entrée, on va pouvoir détecter tous les objets, donc les voitures, les chiens, les personnes, etc. Et donc, pour pré-entraîner le réseau, on a considéré toutes les images qui sont dans ImageNet, ça fait 1 million d'images. Mais encore une fois, on a eu besoin d'aucune annotation sur ces images parce que la tâche prétexte n'a besoin d'aucune annotation. Et donc, quand on regarde les performances qu'on obtient, la courbe de gauche est celle qu'on obtient si on entraîne de manière supervisée le modèle sur ImageNet avant d'apprendre le modèle de détection d'objets, enfin de le transférer pour la détection d'objets. Et en utilisant un modèle qui est complètement auto-supervisé, donc on obtient dans un premier temps Moko, qui était la méthode sans les négatifs difficiles synthétiques, qui marche à peu près de la même façon, voire légèrement au-dessus. Et quand on utilise Mochi par-dessus, ça marche encore mieux. Donc, en fait, avec un modèle qui est entièrement auto-supervisé, on a pris une très bonne représentation visuelle des images qui se transfère extrêmement bien à d'autres problèmes comme la détection d'objets. Donc, pour résumer ce premier travail, on a montré en fait que du coup, on avait besoin de négatifs plus difficiles pour apprendre de manière plus efficace des modèles auto-supervisés contrastifs. C'est pour ça qu'on a proposé de synthétiser des nouveaux négatifs en mélangeant dans l'espace des features des négatifs. Et ça permet d'accélérer l'entraînement du modèle auto-supervisé
et ça donne des gains quand on l'applique à différentes tâches de vision par ordinateur. Donc les modèles qu'on a pré-entraînés, ils sont disponibles en ligne sur les pages du projet, par exemple. Et ceci conclut la première partie. Le deuxième travail que je vais présenter maintenant porte sur l'apprentissage par curriculum. Et donc, il s'appelle SuperLoss, Generic Loss for Robotics Curriculum Learning. Il a été fait avec Thibaut et Jérôme aussi à Never. Qu'est-ce que le curriculum learning ? L'idée est simple, c'est que, par exemple, quand on vous a enseigné les mathématiques, probablement dans votre jeunesse, on n'a pas commencé par vous sortir des grosses équations avec des logarithmes, des intégrales, etc. On a commencé par vous apprendre à additionner des chiffres avant d'arriver à des complexes plus difficiles comme la multiplication, des premières équations simples, etc. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer d'appliquer le même système lorsqu'on va apprendre à une machine quelque chose. Alors, avant de rentrer plus dans les détails, à quoi ça sert vraiment le curriculum learning en machine learning ? Les premiers travaux sur des datasets un peu joués avaient montré que ça pouvait peut-être généraliser mieux. Ça n'a pas été vraiment vérifié sur des datasets plus réalistes, mais sur des petits jouets, ça marchait assez bien. Si le modèle que vous apprenez est large et que vous avez accès à une grosse base de données qui est entièrement bien annotée, la performance ne va pas changer fondamentalement, ça donne à peu près la même chose. Mais en revanche, ça va permettre de donner une grande robustesse au bruit des annotations. Et donc, en particulier, ça peut servir si on va vouloir collecter une base de données automatiquement sur Internet. Par exemple, si je veux construire un dataset de classification d'images et que j'obtiens les images en tapant une requête sur Google et en téléchargeant toutes les images, j'aurai forcément du bruit dans ces données. Et le curriculum learning, en fait, va permettre d'être beaucoup plus robuste à ce bruit-là. Et ça a tendance aussi à donner un modèle qui en début d'entraînement, marche mieux, même si à la fin, ça obtient les mêmes performances, plus ou moins, si vous avez des données propres. En tout cas, comment on peut implémenter le curriculum learning en pratique ? On a besoin d'une définition, en quelque sorte, de quels sont les échantillons difficiles de la base de données. Or, c'est une notion qui est, disons, pas très concrète. C'est difficile de dire quel exemple va être facile ou difficile pour un modèle donné. Une autre façon simple de l'implémenter en pratique, en fait, c'est on va voir à chaque époque toutes les données, mais par contre, si un exemple est considéré comme difficile, on va lui donner un poids très faible, et par conséquent, en fait, on va se focaliser sur les exemples qui sont faciles, ou en tout cas, au début d'entraînement, on va vouloir donner un poids très faible à ces exemples difficiles pour vraiment se focaliser sur l'exemple facile avant de considérer en plus l'exemple difficile. Donc, il y a plusieurs approches qui existent pour le moment, mais souvent, elles sont spécialisées pour une tâche spécifique. Donc, par exemple, ça va être une modification de la loss de cross-entropie, et donc, on pourra l'appliquer qu'à la classification et pas à d'autres problèmes. Et généralement, ils vont avoir besoin de changements, on va dire, complexes dans la façon d'entraîner, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin, par exemple, de nouveaux layers dans le réseau de neurones pour apprendre la difficulté ou pour en tout cas l'estimer la difficulté de chaque échantillon, de nouveaux paramètres, de nouveaux optimiseurs pour ces choses-là. Ou alors, on va avoir un ensemble de réseaux, etc. Donc, en fait, ça demande généralement pas mal de trucs complexes. Et l'idée générale, en fait, c'est que ça va utiliser l'estimation de la loss pour savoir si l'échantillon est difficile ou pas. C'est-à-dire que si on a une loss qui est extrêmement grande, ça veut dire qu'on a fait une grosse erreur dans la prédiction, donc probablement cet exemple est difficile. Ça va être l'idée générale de toutes ces approches. Donc, nous, ce qu'on propose ici, c'est SuperLoss. Donc, en fait, super en latin, ça veut dire au-dessus d'eux. Donc, en fait, ça va être juste un module qu'on va pouvoir mettre par-dessus la loss et qui va. Donc, ça va être extrêmement simple à utiliser parce qu'on va juste faire la propagation depuis la SuperLoss à la place de la loss. Il n'y a rien d'autre à changer. Et l'idée générale, ça va être que pendant l'entraînement, la contribution des échantillons difficiles va être réduite. Et au moment du test, on ne va strictement rien changer à ce qu'on fait d'habitude. On prend toujours un échantillon et on sort toujours la prédiction. Pour sortir la super-loss, on a vu qu'il y avait un lien avec des fonctions de loss qui s'amusent aussi à modéliser en fait, la confiance dans la prédiction ou l'incertitude dans la prédiction. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va prédire, qu'on va faire une prédiction, le réseau, ou on va l'obtenir d'une autre façon, va essayer de prédire la confiance dans la prédiction. Donc, en fait, là, il y a trois plots qui montrent trois fonctions comme ça,
où en X, vous avez la confiance. Donc, à gauche, c'est des prédictions pour lesquelles il y a très peu de confiance, et à droite, c'est là où il y a beaucoup de confiance. Et en Y, c'est à quel point la prédiction est bonne ou pas. Donc, en bas, c'est des prédictions qui sont fausses, et en haut, c'est des prédictions qui sont bonnes. Et en fait, ces trois loss ont été proposés de manière complètement indépendante pour trois tâches spécifiques différentes. Et ce qu'on a observé, c'est qu'elles avaient exactement la même tête. Et si on la résume, en gros, si je suis en bas à droite, ça veut dire que je fais une mauvaise prédiction en étant sûr de moi. Et dans ce cas, on va vouloir payer un gros coût. Si on est en haut à droite, ça veut dire qu'on fait une bonne prédiction en étant sûr de soi. Et donc là, c'est idéalement ce qu'on veut. Mais par contre, si on n'est pas sûr de soi, ben, ce n'est pas très grave si on se trompe. Pourquoi ? Ben, parce qu'on a conscience en fait, qu'on n'est pas sûr de soi. Donc tout ça pour dire, ce qui se passe, c'est que quand on a une confiance élevée, on préserve un très fort gradient qui a tendance à favoriser une bonne prédiction. Mais si le gradient est faible, si la confiance est faible, en fait, il n'y a quasiment plus de gradient ici sur la gauche. Et donc, en quelque sorte, ici, ça va correspondre aux échantillons qui sont faciles, dans le sens où on va arriver à très vite apprendre quelque chose, alors qu'à gauche, c'est des échantillons qui vont être difficiles. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas arriver à apprendre grand-chose avec, etc. Et donc, c'est pour ça que ces loss, en fait, elles font quelque part du curriculum de manière un peu automatisée. Et donc, ce qu'on fait dans ce papier, c'est qu'on propose une façon de transformer n'importe quelle fonction de loss en une version qui va modéliser la confiance en même temps. Et donc, pour pouvoir inclure n'importe quel loss dedans, on monte dans le papier qu'il faut certaines propriétés. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail maintenant. Mais en tout cas, à ce moment-là, on a encore besoin de modéliser la confiance en même temps, ce qui n'est pas clair comment on l'obtient. Et en fait, on définit la super loss comme le minimum sur toutes les confiances de notre transformation, justement, une loss qui dépend de la confiance. Et on peut faire ça, en fait, parce que la formulation qu'on a proposée, donc tous les détails mathématiques sont dans le papier, à une solution analytique. Et du coup, on se retrouve avec la super loss qui dépend que de la loss d'entrée, qui ne dépend plus de la confiance sigma. Ce qui fait qu'on peut juste vraiment la mettre par-dessus la super loss. Et en gros, voilà, ce que ça va faire, c'est que si je reviens au plot d'avant, le sigma optimal pour chaque valeur de loss va ici monter. Donc pour les endroits où on va avoir une grosse erreur, le sigma va être faible et du coup, on va être dans des exemples difficiles. Et en revanche, si on a une très bonne prédiction, le sigma va être élevé parce que c'est un exemple facile. Donc, en expérience, on en a vraiment pas mal dans le papier, à la fois sur la classification, pour montrer justement que ça s'applique à toutes les tâches. On a fait de la classification, de la régression, de la détection d'objets ou d'image retrieval. Et si je fais un résumé des résultats qu'on obtient, en gros, comme je disais, on marche quasiment pareil ou légèrement mieux si on a des données entièrement clean. Mais par contre, si on rajoute du bruit dans les données, par exemple sur des datasets qui sont automatiquement collectés sur Internet, on obtient des modèles qui sont beaucoup plus robustes et dont la performance, vous pouvez le voir ici sur ce graphe, donc ici en X, c'est la proportion de labels dont on a changé de manière synthétique les labels. Donc, par exemple, ici, ça correspond à 80% des échantillons de la base d'entraînement dont on a changé le label. Et on a une performance qui reste beaucoup plus élevée qu'avec un modèle standard. Alors que la méthode est numérique. Je pense que je vais arrêter là, parce que je vais commencer à sortir de mon temps. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et je suis là pour répondre à des questions, si vous en avez. Donc, merci beaucoup, Philippe. Là encore, s'il y a des questions sur le chat, soit en direct, n'hésitez pas à les faire tout de suite. Non, pas de questions. J'ai une question. Alors, vas-y, Robert. Ok, bon. D'abord, bravo pour la clarté des présentations et aussi pour le travail derrière. J'ai une question, en fait, deux questions par rapport à la première présentation. Oui. Les méthodes contrastives d'apprentissage contrastif sont biaisées. Est-ce que vous avez essayé d'estimer le bias ou de réduire ? Ça, c'est la première. Et la deuxième, quand on prend des exemples négatifs, parfois, en fait, sont des positifs. Et est-ce qu'il y a un moyen d'estimer le taux de négatifs qui sont en fait positifs? Ça, c'est les deux questions. Alors, moi, je n'ai pas compris ta question, Robert. C'est quoi les négatifs qui sont positifs? Oui, parce qu'on n'a pas accès au label, par exemple. Donc, parfois, ouais. On prend une image avec un chat, comme c'était dans l'exemple.
et on veut, on fait des rotations, des augmentations sur la donnée, non? Et après, on tire un autre exemple dans la base de données qui, ça pourrait être aussi un chat, non? Alors, c'est tout à fait vrai. On a fait justement des expériences là-dessus pour savoir quel est le pourcentage. Donc, en fait, on a considéré qu'on connaissait les labels et on a mesuré le pourcentage de négatifs synthétiques qu'on générait qui avait au moins un des deux négatifs qui venait de la classe. Il s'avère que ce nombre est en dessous d'1% à peu près. Et donc, ça change pas grand-chose, entre guillemets, ce qu'on fait. La raison, c'est déjà qu'on a 1000 classes dans les images qu'on utilise à l'entraînement. Donc, forcément, si on en avait moins, il y en aurait plus. Et la deuxième chose, c'est que l'apprentissage contrastif, ça continue de marcher. Pourquoi ? Parce que pour arriver à pour différencier deux images de chats, etc., le réseau va avoir besoin d'apprendre un petit peu qu'est-ce qui caractérise le chat. Enfin, il va pouvoir vraiment apprendre des choses qui, après, quand on va apprendre le réseau, justement, sur la tâche finale, aura appris quelques caractéristiques, par exemple géométriques, de la forme du chat. Mais nous, dans l'espace de features, on essaie de minimiser la distance entre les exemples qu'on lui donne. Donc, si on lui donne souvent chat avec... ou maximiser, pardon, entre les exemples différents et minimiser, non? Si on lui donne des exemples, des faux exemples, il ne va pas apprendre si bien. Et je voulais demander si vous avez essayé de faire un plot avec un réseau qui a accès au label et celui avec contrastif, juste pour voir les bias, pour mesurer les bias. Donc, nous, on a ça dans le papier, l'impact justement de ces faux négatifs, entre guillemets. Il y a d'autres papiers d'ailleurs aussi qui font plus ou moins la même chose. Donc, il y en avait un Eurythme qui s'appelait justement Supervised Contrastive Learning, je crois. Debiased. Ouais. Donc voilà. Après, par rapport au biais, il semblerait aujourd'hui que les gens ont tendance à montrer que le contrastive learning, là, ça marche extrêmement bien grâce à ImageNet. ImageNet, en fait, c'est un dataset où généralement, il n'y a qu'un objet au centre de l'image, plus ou moins. Et donc, si on prend des images plus complexes d'une scène avec plusieurs objets, etc., quand les gens font ça, ça a tendance à marcher moins bien parce que justement, il y a moins de similarité entre les images. Et justement, je pense que beaucoup de travaux ont lieu en ce moment là-dessus sur comment généraliser à des images de scènes plus complexes que celles d'ImageNet où il n'y a qu'un objet. Il y a une dernière question de Pierre Gutiérrez qui est, est-ce que cette méthode, dans le premier papier, est-ce que cette méthode permet de se débarrasser des batch size délirants de Moco et de SimCLR? Alors, nous, on l'a appliqué sur Moco, la méthode. Donc, on a vraiment pris le code de Moco, on a rajouté les 20 lignes qui permettent de synthétiser les négatifs et on a relancé le code de Moco. Donc, un mot sur Moco pour ceux qui ne sont pas en computer vision. Franck, laisse finir. Est-ce que ça permet justement de se débarrasser des batch size délirants de Moco, justement? Alors, en fait, je dirais que la méthode, elle peut s'appliquer sur n'importe quoi. Donc, nous, on l'a testé sur Moco, donc on l'a comparé en particulier à Moco. Logiquement, elle pourrait s'appliquer à d'autres méthodes, mais il y a toujours besoin, je pense, d'un batch size assez grand. D'accord, ok. Super. Alors, on va faire une dernière chose. Donc, merci encore, Philippe, d'avoir présenté deux papiers. C'était pas mal de faire ça au pied levé, vu l'invitation très tardive. Ce que je vais demander à tout le monde, c'est d'ouvrir leur caméra pour qu'on puisse faire une dernière photo de tout le monde, en fait. Donc, ça, ce serait très gentil de le faire. On va pouvoir prendre une photo. Donc, Franck, je te laisse. Tu peux mettre ta caméra, Franck, et Jacqueline aussi, de façon à pouvoir faire cette photo. Pendant ce temps, donc, je veux remercier tous les speakers de toute la semaine, parce que là, on parle d'une quinzaine de personnes qui, la semaine dernière, ne savaient pas encore que les Degenerate Apes allaient arriver. Donc, merci beaucoup de votre efficacité à reprendre vos présentations et les faire en français. De répondre s'il y a eu des questions à une audience française qui n'était pas simplement le Paris Machine Learning Meetup. Hein. Comme on vous l'a dit, le Cameroun était représenté, Strasbourg était représenté, le Centre-Loire était représenté et donc Paris aussi. Donc, on pense que cette expérience est un peu nouvelle pour nous, en fait, en particulier. Enfin, au Meetup, on sait faire des choses de ce type-là, mais je pense qu'on n'avait jamais fait des Meetup en plein déjeuner. Je trouve que ça marche pas mal du tout. C'est une solution qui semble être une bonne solution pour faire en sorte qu'on sorte un peu des zooms traditionnels qui pourraient durer beaucoup plus longtemps, comme on l'a vu dans certains meet-up dans le passé. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu.
Ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut continuer l'expérience. Il y avait plus d'une soixantaine de papiers français ou de francophones, un peu plus de francophones, bien sûr, un peu plus, même beaucoup plus de francophones à NeurIPS. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas recommencer des semaines ou voire même des meet-ups de cycla dans le futur. Voilà, donc c'est une première expérience. Elle est plutôt extrêmement bien réussie. C'est grâce à vous d'être venu, d'avoir posé des questions, aux speakers d'être venu, d'avoir joué le jeu des 15 minutes à chaque fois, parce que je sais que c'est très compliqué. Donc, je vous remercie à tous d'être venus. Et puis, autre chose, dernière petite chose, Jacqueline et Claude vont mettre en place la vidéo. Donc, à partir de cet après-midi, je crois, Claude, c'est ça? Tu fais oui de ta tête, oui? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, très bien. Voilà, très bien. Des fois que tu n'as pas le temps de changer ton micro. Donc, à partir de vendredi, donc aujourd'hui, on va commencer à mettre la vidéo de lundi. Et puis, tous les jours de la semaine prochaine ou un peu plus loin, on mettra une vidéo de cette semaine-là. Donc, encore une fois, je vous remercie pour être venu, avoir fait de ce déjeuner NeurIPS un succès, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Et puis, à la prochaine. Merci encore. À plus tard. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci, c'était bien. Merci. Merci aux speakers. Merci aux speakers. Merci.